Salut à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis. Aujourd'hui, ça fait ma foi très longtemps qu'on n'a pas fait d'interview sur ce divan rouge que vous connaissez bien si vous suivez les Sentiers du Réel depuis le début. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est aussi pour moi l'occasion d'accueillir quelqu'un que vous n'avez plus vu depuis longtemps, si vous connaissez également la chaîne depuis le début, Thierry Rodan, qui est déjà venu d'ailleurs nous parler de plusieurs sujets, hein, les walk-in, les runes, les lettres extraterrestres, et j'en passe, vous irez voir de toute façon tout ça. Bien sûr, dans la playlist, il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, on va parler avec Thierry de l'art de la guerre. Je crois que c'est assez approprié en ce moment, depuis quelques années, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, donc c'est une philosophie que Sun Tzu, si je ne m'abuse, a inventée quelques siècles avant Jésus-Christ. Mais donc Thierry va nous en parler, et sans doute, encore une fois, avec sa grande facilité pour nous parler de tout ça. Bonjour Thierry, comment vas-tu ? Très bien, merci en tout cas de... Voilà, je suis très content de retrouver les sentiers du réel. Et on va essayer de parler alors de ce sujet. Mais je dis aussi, c'est un petit peu la guerre psychologique. On ne va pas vraiment parler de la guerre physique. Bien sûr. Donc je pense que dans une vie, j'espère, en tout cas qu'on n'aura pas à se défendre. Il y a certains pays, malheureusement, c'est le cas. Ils doivent pour l'instant passer par les armes physiques. Mais je pense que dans une existence, on va plutôt malheureusement devoir se battre un petit peu psychologiquement. Parce que la vie n'est pas toujours facile. Et donc c'est un livre qui est très ancien. Mais en fait, le livre sur lequel je vais me baser est encore antérieur. C'était un livre qui venait du taoïsme et qui se basait sur ce qu'on appelle les hexagrammes, tu vois, les 64 hexagrammes. Hein. Et donc, c'est un livre qui va nous expliquer ça, en fait, comment se défendre psychologiquement dans la vie. Oui, d'ailleurs, c'est très bien que tu le dises, parce qu'en effet, ce n'est pas l'art de la guerre ou comment faire la guerre dont on va parler, pour ceux qui n'auraient pas compris. C'est aussi, surtout, une philosophie pour pouvoir améliorer les choses. D'ailleurs, c'est... je crois, utilisé dans les entreprises, hein, dans les stratégies d'entreprise. Et ils utilisent ça pour éviter finalement le conflit. Voilà, tout simplement. Donc c'est quand même relativement intéressant. Mais pour ne pas faire de conflit, pour aller vers justement les solutions, il faut connaître naturellement la racine des choses, exactement comme dans la médecine chinoise, ou comme je dirais même dans l'aïkido, si je ne m'abuse, hein, en art martial. C'est finalement utiliser la force de l'autre pour pouvoir la retourner le plus positivement possible, voilà. Donc effectivement, comme tu dis, c'est obligatoire dans le cursus d'un élève, même dès l'école primaire dans les pays orientaux, il y a des lectures obligatoires. On lit par exemple Confucius, c'est une lecture obligatoire. On lit un texte qui s'appelle L'invariable milieu, où on nous apprend à suivre, au fond, ce qu'on retrouve après dans le bouddhisme, c'est la voie du milieu, une voie d'équilibre entre le yin et le yang. Donc c'est une voie d'équilibre. Et aussi un texte qui s'appelle Le grand chemin. Et ça, c'est très intéressant aussi. Ça montre, ce livre explique qu'en fait, quand on veut atteindre un but dans l'existence, eh bien, il ne faut pas se soucier des autres autour de soi, ni des critiques qu'ils vont émettre. Et ça, c'est déjà aussi, ça fait déjà partie de l'art de la guerre, c'est de ne pas trop faire attention aux critiques des autres. C'est de se fixer ce but et de tout faire, mais étape par étape, dans aussi donc, ce que j'appelle cet invariable milieu, pour essayer d'arriver à son objectif. Et on fait tout ce qui est possible avec les ressources personnelles qu'on a, parce qu'on n'est pas parfait. Mais on fera tout, étape par étape, petit à petit, pour arriver à ce but final, sans se soucier de la vie des autres. Donc c'est quand même relativement très spirituel, finalement, cet art de la guerre aussi. Oui, oui. Hein. Et en fait donc, tout se base, comme j'ai dit, sur les fameux hexagrammes. Alors je suppose que tout le monde les connaît. Il y a ce qu'on appelle le trait continu et le trait brisé. Bon, si on va se mettre au niveau de l'électricité, on va dire que le trait plein, le courant passe, et quand le trait est brisé, le courant ne passe plus. Voilà, c'est ça. Mais chez eux, en fait, ils ont été beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans une logique qui est simplement binaire, on est dans ce qu'on appelle une tétralogique. Je vais essayer d'expliquer ça. Parce que nous, en fait, très rapidement, c'est oui ou c'est non. Ça, c'est binaire. C'est binaire. Chez eux, ils ont ce qu'on appelle une tétralogique, et chez eux, c'est très utile, parce que comme il y a beaucoup d'habitants là-bas en Chine, ben, il faut être très diplomate. On ne va pas essayer de... Comme on rencontre beaucoup de gens, on essaye de ne pas avoir des conflits avec les autres, et donc on va essayer d'employer cette tétralogique. Et c'est quelque chose que vous pouvez appliquer dès demain dans votre vie. Par exemple, si quelqu'un vous téléphone, soit on va dire oui ou non, ça peut être blessant. Donc quelqu'un me demande, tiens, est-ce que tu peux venir avec moi au cinéma cette semaine? Et que je dis non, ben, c'est un peu blessant. Et parfois quand c'est oui, bon, ça c'est facile. Et donc chez eux, ils vont faire ce qu'on appelle une tétralogie. Il y a quatre réponses en gros. Donc il y a un oui absolu. Donc par exemple, est-ce que tu veux aller avec moi au cinéma? Et ça fait des semaines qu'on a envie d'aller avec, je ne sais pas moi, une très jolie fille du quartier, ou alors on a envie d'aller au cinéma absolument, ben on va dire oui directement. Donc on arrive dans ce qu'on appelle un oui absolu.
Par exemple, on ne veut pas du tout faire quelque chose. Est-ce que tu veux aller tuer ton voisin? Bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est un non absolu. Donc, on a le oui absolu et le non absolu. Et après, on a deux variantes. Il y a quelque chose, on va dire à la personne non. Mais on va directement ajouter quelque chose. Ben non, excuse-moi, cette semaine, je suis trop occupé. Mais on laisse une porte ouverte en disant, tiens, mais écoute, la semaine prochaine ou dès que je suis libre, c'est possible. Et ça, c'est beaucoup plus, c'est Léger. plus gai. Parce que quand on dit non à quelqu'un, mais qu'il y a quand même une solution derrière, ben ça offre quand même, je veux dire, une pacification possible. Ou alors c'est plutôt, donc si j'avais dit non, hein, c'est ça? Oui, c'est Oui. Ou ça. bien c'est plutôt oui. Mais oui, je voudrais bien sortir avec toi, mais malheureusement cette semaine-ci. Donc on peut varier sur Ouais, bien sûr. les deux. Donc soit on dit non, mais on laisse une porte ouverte. Soit on dit oui, mais pas pour l'instant. Donc voilà, et cette tétralogique fait qu'il y a quelque chose de plus logique, et c'est ça qui va former ce fameux champ des hexagrammes. Donc on a déjà beaucoup plus de solutions que simplement un chemin binaire. C'est ça. Ben finalement, c'est un petit peu ce qu'on fait actuellement. Peut-être qu'avant, il y a quelques années, 50 ans, voire peut-être nos grands-parents étaient beaucoup peut-être plus fermes, plus moins, comme tu dis, moins à l'ouverture d'une autre possibilité. Maintenant, je pense que dans notre société, ben, les auditeurs pourront le lire dans les commentaires, avec les amis, avec les amants, avec les amours, on est quand même un peu moins froid. Alors naturellement, en Occident, on sait très bien qu'il y a des cultures où on est un peu plus froid. Hein, voilà, donc effectivement. Effectivement, le non, le oui, ça va être beaucoup plus utilisé, mais je crois que c'est en train de changer de ce côté-là. Alors dans les arts martiaux, justement, c'est ça, tu vois, il y a des applications dans ce qu'ils appellent le pakua, c'est une science qui est très circulaire, où il y a des déplacements très circulaires. Et alors il y a aussi, par exemple, ce qu'on va appeler, on va faire deux poussées. Donc ça, c'est intéressant, quelqu'un vient vers toi, eh bien, il y a une poussée, C'est ça. c'est non. Ou alors, il y a une double attraction, on attire, hop, avec les deux mains. Voilà. Donc, soit la poussée, soit l'attraction. Mais alors, on peut aussi varier. Par exemple, il y a une main qui va attraper, par exemple, la personne à son col. Et donc, on va faire une poussée. Et tu vois, en même temps, on attire et en même temps, on repousse. Voilà, on utilise sa force en fait. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est montré qu'il y a une tétralogique. Ce n'est pas simplement pousser, tirer. On peut aussi tirer et pousser. Et donc finalement, cet art de la guerre, je ne sais pas si tu vas en parler, mais c'est vrai qu'elle est utilisée à tous les étages, hein, dans toutes les strates de la société, je veux dire, hein, par là, que ce soit au niveau civil, au niveau personnel, au niveau professionnel, et plus encore, quoi. Elle est partout, cet art de la guerre. Et finalement, on le fait de manière inconsciente. On n'est pas obligé d'avoir lu le bouquin ou cette philosophie pour, disons, l'appréhender, mais on le fait un peu au quotidien sans le savoir. Alors, de manière, par contre, très maladroite, par contre, c'est là que ça devient Alors, intéressant. voilà, donc en fait, donc le livre que je parle est antérieur. Donc c'est un livre qui est issu du taoïsme, que c'est un monsieur, bon, qui est un taoïste qui m'a montré. Et en fait, tu as 64 sentences que tu peux appliquer. Donc il y a des sentences où il y a des choses très violentes, et il y a des sentences où il y a des choses très défensives. Donc il y a, comme j'ai dit, soit on attaque, soit on défend, soit on Voilà. recule, soit on avance. Donc c'est à chacun toujours de voir la circonstance, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, on va dire, il y a une sentence qu'on emploie, on va dire comme ça, mais maintenant, sans qu'une expression qu'on va dire, c'est de mettre de l'huile sur le feu ou de réchauffer le plat plus que d'habitude. Donc, si quelqu'un vous embête, eh bien, on va en mettre encore une très très bonne dose en plus. On va pas du tout radoucir. On met bien le feu au système. Ça, c'est par exemple une stratégie. Si quelqu'un vous embête, eh bien, on y va à fond, quoi. Ah Hein. ouais, c'est un peu On y va. scorpionesque ça pour ceux qui sont dans l'astrologie, je te renvoie la balle quelque part. Voilà. Et alors, à l'inverse, donc puisqu'on est dans un cercle, tout à fait à l'inverse, il y a par exemple comment éviter un coup de poing, mais c'est de ne pas être là. C'est tout simplement l'art de l'esquive qu'on va beaucoup employer justement dans l'aïkido. Donc c'est envoyer la personne sa force dans le vide. Au plus la personne va être agressive, je n'en remets pas du tout de l'huile sur le feu, que du contraire, je ne suis pas là. Je suis Voilà. complètement absent. Ce qui peut dire, par exemple, c'est très très dévastateur parfois, parce qu'une totale indifférence, quelqu'un t'attaque, il te téléphone tous les jours, il te téléphone tous les jours, on répond absolument à rien, rien, silence total. C'est une stratégie que parfois j'emploie, c'est ce que j'appelle la stratégie du sous-marin. Tu vois, dans l'époque nazie, le Oui. sous-marin descendait au fond des océans, on éteint les moteurs C'est ça. et on ne bouge plus. C'est ça, pour ne pas être repéré. Ça peut être une technique, mais non, ça dépend un peu le caractère, hein, de chaque personne. Et je veux dire, ça dépend un peu de la circonstance. On peut très bien employer une technique ou une autre. Ce qui est important, Thierry, c'est de dire aux auditeurs que ce n'est pas
une question de lâcheté. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais si tu te replies comme ça, si tu ne vas pas faire, disons, affronter finalement bah, le délit ou affronter le pourquoi, la contrariété hein, entre amitié, par exemple, pourquoi, ou le conflit, on va dire. Ce n'est pas une question non plus de lâcheté, c'est une question de stratégie, c'est pour aussi calmer Tout un à petit fait. peu tout ce qui est. Et d'ailleurs, c'est bien là la philosophie, c'est de calmer les choses et de ne pas justement les exagérer, les amplifier, quoi. C'est une des stratégies, on peut très bien aussi Voilà. mettre de l'huile sous le feu, hein, ça marche Oui. très bien. Donc parfois, pour une petite broutille, ben, je vais franchement exagérer. D'accord. Dernièrement, ici, j'avais commandé par exemple des stickers chez Ok. un imprimeur, et puis je trouvais que ça ne venait pas. Et puis j'ai vu qu'il y avait moyen de mettre un avis sur Google, j'ai mis un avis très très négatif, c'est pas très gentil. Hein. Et du coup, le type, une demi-heure après, il me téléphone, il me dit, Monsieur, vos stickers sont prêts. Il me dit, Est-ce que vous voulez bien enlever le commentaire sur Google? Donc tu vois, Alors ça c'est bien, ouais. bon, c'est pas très chouette, mais c'est une stratégie. Si Hein. c'est chouette, C'est pas une ouais. stratégie que moi je préférais le pacifique dans l'histoire et Voilà. que tout s'arrange à Que l'amiable, tu comme l'as on dit. retiré donc. Oui, j'ai retiré le Voilà. commentaire. Mais donc, c'est des techniques aussi. Parfois, ma compagne le sait, je mets beaucoup d'huile sur le feu. J'aime bien Ouais. faire ça. Et ça marche parfois. J'écris des lettres très, très polies, très propres, Oui. mais avec beaucoup de menaces un peu indirectes comme ça. Et ça marche pas mal. Ce qu'il y a de bien, c'est surtout quand retiens ce que tu as à dire. Ce qu'il y a de bien, c'est surtout quand tu as des personnes qui sont non pas amorphes, je veux dire, c'est un grand mot, mais qui ne bougent pas, qui ne prennent pas de décision. Et dans la vie, parfois, je crois que cette huile sur le feu, de temps en temps, ça peut les secouer pour un bien pour ces personnes-là, pour qu'elles s'activent finalement, qu'elles ne le feraient peut-être jamais en temps normal. Et de temps en temps, pourquoi pas mettre un peu de poivre, eh ben, si ça peut aider, encore une fois, dans le positif. Si la résultante est positive, ben, c'est magnifique, quoi. Voilà. Oui, alors une stratégie que j'aime bien aussi, c'est bien sûr de ne pas affronter la personne directement, mais c'est de Voilà. trouver une tierce personne. Voilà. Mais ça, c'est pas très gentil non plus, mais Non, ça parce se que. fait. Ça se fait en politique, ça se fait. Oui. Donc moi, je veux t'affronter, Alexis. Je vais pas du tout le faire. Je vais employer quelqu'un d'autre qui. Tu vois, moi, je vais mais complètement me retirer de ça. Il faudra même que tu devines que c'est moi qui ai lancé l'attaque, mais je vais le faire par quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Et donc c'est ce qui se fait aussi, malheureusement, ce qu'on appelle les false flags. Oui. Voilà. Donc par exemple, je suis d'extrême gauche. Voilà. Et je vais prendre un faux drapeau et je vais marquer que c'est Oui, l'extrême c'est droite. ça. Ou bien c'est l'extrême droite et je vais prendre un faux drapeau et me faire passer pour l'extrême gauche. Et ça, c'est très vicieux, évidemment. Évidemment. Et alors, essaye aussi qu'on ne retrouve pas la source. Ouais. Si moi je veux t'attaquer, Non, je vais essayer que non. tu saches pas que c'est moi. Mais je vais employer quelqu'un d'autre, pour moi, peu importe qui, C'est pour ça. venir t'embêter, quitte à le payer, hein. Mais oui, mais c'est l'art de la guerre. Et donc le but, c'est de ne pas se faire repérer et c'est d'employer une tierce personne pour faire l'attaque. Oui, et puis bon, ça marche bien, c'est ce que tu viens de dire en politique, ça marche bien, encore une fois, je te dis, au niveau stratégique, dans les bureaux, en fait, dans quelque part, où il y a le rapport humain, cet art de la guerre est utilisé. Alors encore une fois, c'est ce que je disais de manière inconsciente, de manière peut-être aussi réfléchie, parce que je pense que c'est, on le disait au début, utilisé dans les entreprises, et ils le savent très très bien. Il y a les fameuses rumeurs, hein, qui sont notamment Ça marche utilisées. très bien, ça Ça, marche très bien. Il c'est... y a, y a un proverbe chinois comme ça qui dit que toute parole sortie de la bouche fera le tour du monde. Donc, mais oui, parce que dès qu'on dit quelque chose, il suffit de dire à quelqu'un, écoute, j'ai un grand secret, ne le répète à personne. C'est le meilleur moyen pour que en fait tout le monde le répète. Et parfois, il y a quelqu'un qui m'a dit que les plus grands secrets dans l'ésotérisme, c'est de les montrer en grand. Dans les symboles, on le marque en bien grand. Mais c'est tellement flag que personne ne le voit en fait. Donc, on l'affiche presque. C'est comme si moi je mettais ici mon numéro pour ma carte bancaire, il n'y a personne qui va le mettre. Voilà. Mais tellement que c'est évident, les gens ne vont pas l'employer. C'est assez amusant quand même. Parfois, quand on veut cacher quelque chose, il faut le mettre à la vue de tous. C'est ça, exactement. C'est encore bah, plus c'est gros, plus ça passe, hein, comme dirait durant la Seconde Guerre mondiale. Et effectivement, bah, c'est ce que je disais aux auditeurs déjà depuis quelques années maintenant. Quand les auditeurs pensent que, enfin, tout comme moi, hein, les chercheurs, les cherchants pensent avoir trouvé une vérité, bah, dites-vous bien que parfois cette vérité vous a été affichée à bon escient pour que vous puissiez la répéter et peut-être même vous mettre sur un pas le droit chemin, quoi. Enfin, Dans bref, vers l'opposé, quoi. les églises, il y a des Ouais. choses qui sont flagrantes, et si quelqu'un connaît un tout petit peu de sciences alchimiques, de sciences ésotériques, il va immédiatement voir le symbole. Voilà. Mais c'est tellement flagrant qu'on n'a même pas à le dire. Ouais, alors ce qui est caché, de toute façon, c'est pour les initiés, on sait très bien.
pour les personnes qui ont justement cette connaissance et qui, là, par contre, qui sont des choses qui, par contre, ne s'affichent pas forcément, hein, et ne s'écrivent pas non plus, on le sait très bien, se susurrent, hein, et voilà, bon, ça, c'est un autre débat. Mais donc, l'art de la guerre, effectivement, voilà, c'est utilisé, finalement, encore une fois, de manière inconsciente, et en familial, et de manière privée, et de manière. C'est vraiment, voilà, elle est partout, l'art de la guerre, en fait. Oui, donnons une petite sentence. Par exemple, c'est monter sur le toit et retirer l'échelle. Bon, Ah oui, ouais. c'est une technique aussi, hein, facilement. On peut dire des choses ou faire C'est des ça. choses, et puis après, oups, on se retire, hein, et on retire l'échelle, ni vu ni connu. Donc c'est aussi une stratégie que l'on peut employer, en tout cas. Toi, dans ton métier ou autour de toi, tu as déjà eu affaire à ce genre de, disons de, alors peut-être pas un affront, mais cette technique, est-ce que ça t'a déjà servi, toi, enfin, sans rentrer dans les détails, parce que c'est assez privé, mais. Non, mais moi, comme tout le monde, je crois qu'on a tous vécu un peu des situations d'harcèlement, harcelante, etc., etc. Je pense que quelque chose qui est important, en tout cas dans la vie, c'est d'essayer de ne pas trop se justifier. C'est aussi bon, c'est assez connu, mais c'est de dire les choses en assertivité. Donc, c'est de ne pas attaquer la personne, c'est de dire moi, je trouve que, moi, j'estime que, mais c'est pas dire à la personne, tiens, mais non, tu te comportes mal, tu fais ça mal. C'est de donner ses propres besoins à l'autre personne. Et une autre technique que j'ai beaucoup employée dans ma carrière aussi maintenant, c'est. Il y a deux techniques. Soit c'est d'avoir un témoin des choses. Moi je conseille ça si jamais au niveau du travail où il y a des harcèlements et tout ça, il faut toujours avoir des témoignages. Et quand on se présente devant un patron ou quoi, il faut essayer de ne pas les seuls. C'est toujours bien d'interagir en triangulation. Donc c'est de prendre un témoin, soit un délégué ou quelqu'un qui sera témoin de la discussion. Parce que si la discussion est trop intime, ça peut Et dégénérer. qui est d'accord, bien sûr. Oui, mais c'est toujours bien d'avoir une deuxième personne avec soi pour essayer qu'il y ait un témoignage. Et alors, ce qui est très très bien aussi, c'est la question des questions, en fait. C'est un peu un procédé. Tu me poses une question, ben, je te réponds par une question. Oh, quelle Mais au horreur. fond, mais que me reproches-tu finalement? Mais que me veux-tu me dire par là? Mais qu'est-ce que ça signifie? Mais qu'est-ce que tu ressens? Mais dis-moi, qu'est-ce que ça t'a fait? Ça, là, on remballe l'énergie que la personne Tout à t'envoie. fait. Tout à fait, c'est le même Finalement, principe que dans c'est. l'aïkido ou dans Voilà, c'est des ça. sports de combat comme ça. En fait, c'est de renvoyer la balle à l'autre personne, en fait, finalement. C'est elle qui doit dire, ben oui, ben écoute, je te reproche ça. Oui, mais qu'est-ce que tu me reproches? C'est de reposer. Ouais, on peut y aller C'est une série fatigant, hein? de. Non, 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 on peut y aller avec une série de C'est questions. vrai? Oh, c'est très intéressant à faire. C'est intéressant. Très. Très, parce que chaque fois que tu reposes une question, oui, mais qu'est-ce que ça peut induire, mais qu'est-ce que ça peut signifier? L'autre personne finalement en face de toi finit par abandonner quoi, parce que elle n'obtient rien, elle n'obtient rien quelque part dans Ce qui ça. est très très important aussi, c'est de garder toujours, essayer, hein, si c'est possible, c'est ne pas lever la voix, c'est d'essayer de rester assez calme. Ça énerve pas Ça mal, énerve pas ça mal, m'énerve pas c'est mal, c'est de vrai. garder un ton assez bas, même de descendre, à la limite même descendre un peu le ton de la voix, et puis c'est de poser énormément de questions. C'est vrai. Ça fonctionne pas mal, ça fonctionne pas. C'est une technique que, par exemple, il y a aussi une autre sentence, c'est regarder la guerre depuis l'autre côté du fleuve. Oui, ben, c'est facile, hein. Il y a le fleuve qui sépare, hein. Et donc, il y a des gens, c'est aussi une technique dans la guerre, c'est d'inciter deux pays ou l'un contre l'autre, et on regarde à distance ce qui se passe, ce qui est beaucoup plus facile. Plus facile, oui, en effet. Et bah surtout que c'est quand même une technique qui demande quand même pas mal de concentration, finalement, pas mal de pratique, je pense, parce que, comme tu dis, hein, rester calme devant une situation qui ne peut faire qu'attiser finalement tous tes sens primitifs, c'est-à-dire commencer à crier ou à se bagarrer ou à voilà, il faut vraiment une maîtrise de soi et voilà quoi. Donc je pense que C'est ça, la toute dernière technique que m'a dit ce maître Taoui, c'est vraiment l'absence. C'est le vide. Donc c'est que de ne pas du tout être là. Donc personne ne peut te frapper, personne ne peut te tuer puisque tu es absent. Et donc le maître taoïste qui t'a appris cette technique, t'a aussi appris une autre technique. Mais oui, en fait, c'est la calligraphie. C'est la calligraphie. Et c'était justement très intéressant. Parce que, en fait, le premier cours de calligraphie, c'était simplement le pinceau. J'ai simplement dû choisir un pinceau. Parce qu'il m'a dit. Tant qu'on n'a pas les bons instruments, c'est aussi fait partie de la guerre psychologique, eh bien on n'avance pas. Donc si j'avais un pinceau trop petit ou trop grand, ça n'avançait pas. Deuxième cours, c'était l'épaisseur du papier. Donc j'ai parlé de l'invariable milieu. Si je fabriquais du papier trop épais, ça ne marchait pas. Un papier trop fin, l'encre ne se dit. Après, c'était la fabrication de l'encre. Même chose, une encre trop épaisse, une encre pas assez épaisse, ben, ça ne fonctionnait pas. Donc il fallait le bon pinceau, le bon papier, la bonne encre.
Et ça aussi, ça fait partie des choses. On doit parfois être dans la vie avec les bonnes personnes, au bon moment, aux bons endroits. Et quand ça ne va pas, ça ne va pas. Parfois, malheureusement, on peut insister un petit peu, mais au bout d'un moment donné, si on a insisté et que ça va toujours pas, mieux vaut arrêter. C'est la même chose si j'avais insisté avec de l'encre trop épaisse, je serais arrivé à rien du tout. C'était vraiment très intéressant. Et autre chose qu'il faisait, c'est pendant qu'on faisait les cours de calligraphie, il me servait son thé. Et un jour, il me sert le thé à ras-bord du verre. Ici, j'ai un verre, je vais le montrer. Hop. Donc, il m'a servi jusque-là. Et il m'a dit, maintenant, qu'est-ce qui se passe si je verse un peu plus? Eh bien, je vais dire que ça va déborder. Il dit, oui, donc ça ne serait pas parfait. Et si j'avais mis un peu moins de thé, est-ce que ça aurait été parfait? Ça n'aurait pas été parfait non plus. Donc, le stade de la perfection est un moment très fragile dans le taoïsme. Et c'est un moment qu'on recherche finalement peu, qui peut arriver. Et donc, comme j'ai dit à tantôt, oui, on recherche la route de la perfection tout en sachant qu'elle est très difficile à atteindre. Et il ne faut jamais essayer non plus de se sentir trop complexé ou culpabilisé, parce qu'en fait, il y a peu de perfection. C'est pour ça qu'eux emploient beaucoup le symbole de la Lune, parce que la Lune, ben, elle est très, sur tout son cycle, elle est très peu parfaite. Très, très peu stable. Très peu stable. Il y a un Ouais, moment donné où il y voilà. a la pleine Lune, C'est ça. mais c'est plutôt ténu, c'est plutôt. Et donc chez eux, même dans l'architecture en Orient, ils ne recherchent pas spécialement la parfaite symétrie. Si on regarde bien les constructions dans le taoïsme, elles sont un peu difformes, un Ça tient, ça peu. tient. Voilà, c'est même, voilà, même une plante qui serait toute droite, c'est pas Voilà. beau dans le taoïsme. On va un peu la pencher. Il n'y a pas cette recherche qu'on a aussi chez nous d'être tout le temps dans un perfectionnisme. C'est Et ça. donc je trouve que c'est quand même une leçon d'humilité. Ah, c'est une leçon d'humilité et en plus ça me parle beaucoup, moi en tant qu'artiste, hein, en tant que compositeur de musique, de pas vouloir non plus chercher la perfection. Et je pense que beaucoup d'auditeurs, ça leur parlera également, puisque naturellement c'est. Et comme tu as dit, c'est la perfection est tellement brève finalement, tellement précise que voilà, c'est quelque chose qui tombe à pic. Ça tombe, c'est comme ça. Et si ça tombe pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas fataliste. Voilà. Voilà, en tout Pas une cas, fatalité. le mieux c'est d'essayer d'arriver Ouais. à cette harmonie en soi, Un et équilibre. bien sûr de ne pas employer l'art de la guerre, mais malheureusement, tôt ou tard, on est confronté à des situations qui font que l'on doit réagir d'une certaine façon. Et par exemple, je vais terminer là-dessus, dans le bouddhisme aussi, donc on sait qu'il y a des grands poisons fondamentaux dans l'existence, et la colère fait partie, la haine-colère fait partie, c'est un des poisons. Et il y avait quelqu'un qui avait demandé à un grand maître bouddhiste. Mais maître, parfois on vous voit très fâché sur vos enfants, parce que bon, chez eux, ils peuvent être lamas, mais ils peuvent après se marier. Il dit oui, mais c'est toujours une apparence. Au fond de moi-même, le fond de mon être reste vraiment très stable. Je donne une apparence. Donc si on voit un petit peu les statues dans le bouddhisme, il y a ce qu'on appelle les figures courroucées. Mais en fait, c'est une apparence. Donc on donne l'apparence d'être fâché. Donc il dit, moi parfois quand je vais dans un bureau de poste et que ça ne va pas, il dit, je peux taper du poing sur la table, mais au fond de lui-même, il n'y a pas d'emportement en fait. Il n'y a pas de réel emportement, c'est une façade de colère. Mais au fond de lui-même, il essaie de garder une grande stabilité. Et ça aussi, ça fait aussi un peu partie d'un art de la guerre, c'est de montrer des apparences, on peut sembler fâché ou heureux, et parfois ce n'est pas le cas. Il faut garder vraiment au milieu de son être une zone de calme. Et d'ailleurs, même si on peut éviter naturellement cette forme d'agressivité qui n'en est pas une, quelque part ça marche parfois mieux parce que c'est plus une autorité sans devoir commencer à devenir grossier, vulgaire, finalement assez pathétique. Et finalement, voilà. Et C'est plus donc, efficace. c'est plus efficace, c'est une colère, mais tranquille, une colère qui est C'est ça. maîtrisée. Absolument, c'est ça. C'est ça. Absolument ça. Bah écoute. Ben, espérons que ça puisse aider en tout cas tes auditeurs. Moi, bon, comme j'ai dit, hein, je suis bien d'y arriver. C'est aussi des techniques que j'essaye de mettre en place pour moi-même. Hein. Et on voit si ça fonctionne, si ça fonctionne pas, on adapte. Hein. Bon, je conseille d'ailleurs un petit bouquin là-dessus, c'est L'art de la guerre en version BD. Je mettrai la référence ici en image quelque part et je le mettrai en lien si jamais je le trouve pour vous le procurer. Et ça peut, pourquoi pas, servir aussi à faire passer l'art de la guerre pour les enfants, pourquoi pas. Hein, c'est en BD donc avec Sun Tzu, hein, donc ça se passe dans la Chine. Et c'est tout ça c'est mis en BD, voilà, parce que c'est quand même des préceptes. Hein, l'art de la guerre, c'est une sorte de. Je crois qu'il y a 10 ou 20 points, je ne sais plus exactement comment ça marche, mais c'est assez où. Il y a plusieurs règles apparemment, il y a plusieurs facettes de cet art de la guerre qui est, comme on l'a dit, la rhumeur notamment, la. Celui-là, en lui-même, celui-là, je ne l'ai pas lu. Hein. Donc j'ai lu l'ancêtre. Ouais, c'est ça. Et alors il y a un ouvrage japonais qui a l'air intéressant, que je n'ai pas lu complètement non plus. C'est le traité des cinq anneaux.
C'est le traité pour les samouraïs. Et il y a quelque chose aussi qui est assez fascinant, c'est qu'ils expliquent en fait qu'on est déjà mort. Oui. Oui, c'est un peu dur, mais c'est vrai, on est déjà mort. Et Ouais. donc chaque minute, chaque seconde que l'on fait est déjà une minute gagnée par rapport au fait d'être déjà mort. Et c'est ça qui fait que les samouraïs n'avaient très peu peur de la mort. Ils disaient même qu'ils pouvaient regarder la mort en riant, parce qu'ils savaient que de toute façon, ils sont déjà morts. Ben, c'est ce que j'avais déjà dit dans notre interview, je pense, avec toi. C'est que les hindous, les hindouistes, je sais pas si c'est ceux-là, hein, tu me reprendras, préparent déjà finalement leur. En fait, dès qu'ils naissent, ils savent qu'ils sont déjà morts dans le sens que ils préparent le passage vers l'au-delà. Et donc, quelque part, la vie n'est que faite que pour ça, en fait. Ça, c'est encore une autre philosophie, mais voilà, c'est intéressant. Et la mort, ben, finalement, n'existe pas. Ça Donc sera voilà. développé. Ce sera Hein. développé. Bah écoute Thierry, on se retrouve bientôt pour une autre interview, Un plus grand quand tu merci, veux. Alexis. Et à tout bientôt, chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner, de le liker, de partager cette vidéo courte cette fois-ci, mais ma foi très intéressante. Les infos parfois passent beaucoup mieux quand c'est plus court aussi. Et donc n'oubliez pas de parler des sentiers du réel, de faire un petit don éventuellement sur parmi les liens qu'il y a dans la description. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une autre interview ou en tout cas un nouveau live, une autre émission. Gros bisous, passez une bonne semaine d'ici là. Ciao ciao! Et pour soutenir la chaîne et assurer sa pérennité, vous pouvez également faire un don, soit dans la cagnotte Litchi, soit un don ponctuel. Lien dans la description. Merci, à la semaine prochaine!